Et salut à tous, ici c'est Arcanum et on se retrouve pour... Ah, attendez. Est-ce que vous entendez le son du jeu? Parce que moi je l'entends. Dans Strider, le jeu de Ninja. Alors vous l'entendez pas. Là vous l'entendez. Là, là, là. Parfait. C'est parti pour la suite du jeu. C'est vrai que j'avais débloqué le triple saut, non? C'est pas ça? Excusez-moi, je flex un peu. Infiltre les murs du périphérique. De périphérie. Putain, j'avais compris le périphérique. J'ai fait 10% du jeu, d'accord. C'est bien ce qui me semblait. On avait débloqué le double saut. C'est vrai que c'est le jeu où il faut péter des boules. J'ai le jeu qui rame un petit peu. Aïe. J'ai pas l'habitude du double saut. Aïe. J'ai raté mon double saut. Ne vous inquiétez pas, on peut revenir easy. C'est vrai que c'est un peu le jeu de l'exploration, hein, parce qu'il y a beaucoup de trucs à regarder. Ah. Le travail, c'est la liberté, le travail, c'est le progrès. Ah, on affronte vraiment des soviétiques, quoi. Y a pas erreur sur la personne, au moins. Ouf, j'ai eu chaud. Il y a un défi, hein, appelons. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Est-ce que je peux y aller au moins? Est-ce que j'ai un... Il faut débloquer le triple saut, c'est ça? Ah, je peux pas y aller. Peut-être pas en passant en dessous. Il manque un contre parce que... Ça prend des châtaignes toutes les 10 secondes, c'est un peu chiant. Barrage de sécurité public actif. Évite les barrages de sécurité. Ce qui signifie que... Ce qui signifie que je dois aller pas par là. Ah oui, c'est le truc là que je dois appuyer. Ok. Bah oui, bah j'étais allé au bon endroit direct, toi, ouais, mais. D'accord. Ah, tout simplement. J'ai utilisé... Ah bah attends. Jean-Michel l'acrobate. Les techniques, dis donc, ce qu'ils veulent que je fasse. Comme ça... Si j'ai bien saisi ce qu'il veut que je fasse, c'est technique. Eh oui, mais
En fait, le problème, c'est que je peux pas m'approcher de la plateforme sans qu'il s'y accroche. En fait, il se dit, c'est une bonne idée de d'aller dans les pics électriques et de mourir. Comment faire? Moi, je vois que comme ça, hein. Mais il est possédé par quelle énergie spirituelle pour être si con? Ouais, c'est ce truc là qu'il faut. Mais les devs du jeu sont malins. C'est bien, c'est comme ça qu'il faut faire, hein. Je suis pas débile, il n'y a pas une plateforme. Non, on est obligé de faire comme ça. Un ouvrier doit remplir ses. Mais comment tu veux que je fasse ça? Ouais. On va tourner en rond pendant 10 ans jusqu'à que je comprenne. Mais pour moi, c'est ce truc-là qu'il faut faire. Bon, tu veux arrêter de faire un piqué? Je vais arrêter. Promis, j'arrête d'appuyer sur Y. Mais je vois pas comment on peut faire. Ah, d'accord, comme ça il descend tout seul. Mais bon, il va à une vitesse un petit peu surhumaine, quoi. D'accord. C'était une très mauvaise idée. J'expérimente, hein. En fait, le souci, c'est que dès qu'il s'approche d'une boule de plateforme, il fait ça, il fait ce mouvement-là. Et comment dire, ce mouvement, il est assez relou. Comment je peux faire? Mais c'est chiant, mais vous êtes débile, pourquoi vous avez fait ça? Je ne comprends pas. C'est pas avec le double saut que ça va aider, hein. Pourquoi je peux pas me mettre sur ces plateformes? Ce serait pas un petit peu mieux? Je comprends pas pourquoi je ne peux pas m'accrocher ici. Mais attends, mais il n'y a que ce passe. Ah putain, oui. Je peux pas le casser en faisant ça, mais je sais pas. Bizarre. Mais c'est. Mais comment tu veux passer ici? À part faire un saut, il y a encore. Ah, faut faire. Il veut que je fasse ça en fait, et après c'est comme ça quoi. Mais c'est débile! Ok. Ouais, tu l'as déjà dit ça. Mais non, il saute vers le bas tout de suite en fait. Mais c'est de la merde! Je comprends pas ce qu'il m'est demandé de faire. Ça y est, il est. On est en fa... On est dans une période de mongolisitude. Bon, ça, j'ai compris que je pouvais faire ça. Pourquoi vous avez mis un truc électrique? C'était pas déjà assez chiant comme ça? Regarde, il descend tout seul. Moi, je ne dirige pas son saut. C'est. Je vais vers le bas, un point, c'est tout. Attends, j'ai oublié un truc, c'est obligé. Ah bah voilà. Depuis le début, je me suis gouré. Ah, mes fils de lâche! Ah bah bizarrement, ce sera mieux en allant de ce côté-là. Ah, je sais plus comment on... Je sais plus comment on désarme les boucliers. Ah, c'est pas en faisant ça? Ce que je... Heureusement que je m'en suis souvenu, hein. D'accord.
Alors peut-être que c'est possible en speedrun de passer par le côté où je voulais aller. Rends-toi au barrage. Je pense que ouais, dans un monde alternatif où tu peux utiliser ça comme check, tu peux utiliser ça comme glitch. Bah alors descends. Ah non, c'est vrai, c'est comme ça. Excusez-moi, ça fait un moment que j'ai pu jouer. Excusez-moi, on a perdu un petit peu de temps, mais c'est pas grave. Ah, c'était là où il fallait aller. J'ai deviné tout de suite où il fallait aller. Ah, checkpoint. Ah ouais, accès deny. Et ça, c'est quoi, mon gars? Accès autorisé. C'est ça, hein, le truc pour. J'ai tout pris, hein. Merde, j'ai été touché. Parce qu'il y a un défi où il faut tuer 10 ennemis sans se faire toucher, mais bon. Faut croire que c'est pas pour moi. C'est là où il faut aller? Je suis en train de m'aventurer dans un plan cul. Je suis sûr que je suis en train de perdre. J'ai en train d'oublier plein de trucs. Attends, c'est quoi? Ah! D'accord, en bas il y a une amélioration. Est-ce que je peux y aller déjà? Non mais. Un bonus d'énergie. J'ai plus de PV ou... Mais non, les énergies, c'est le truc pour les tech. Attends. Ah, c'est ça. Est-ce que je peux voir si j'ai oublié d'autres choses? Ah oui, j'en ai oublié une. Bon, on va aller la chercher. C'est pas long. Je peux pas mettre une légende, un tout point pour m'aider à aller retourner à l'endroit. Bah c'est au niveau du checkpoint. Alors le jeu quand il pleut il rame. Bah en même temps il y a plus de trucs à charger donc. Je peux pas retourner là-haut. J'ai le seum, c'est ça, c'est ça que tu veux me dire le jeu? C'est quoi là-haut? Ah, c'est le festival, d'accord. D'accord, ce que veut me dire le jeu, c'est que ben tu t'es foiré une fois. D'accord, je peux pas retourner là. Mon saut est pas suffisamment long. Eh ben, dommage.
Je vois sans doute un truc pour me propulser dans les airs. Ah, il est sous ma gueule là. Oh non, là c'est... Ah parce que un, j'aurais pu le passer, mais le deuxième non. Hein. Là, c'est non direct. Bah alors du coup, je fais comment? Je suis bloqué là. Ah non, il fallait juste avoir le bon timing. Heureusement qu'on joue un ninja et pas un... et pas une danseuse d'opérette parce que niveau agilité. Excusez-moi, je cherchais l'amélioration, si ça se trouve c'est plus de vie. Ah, mais putain, le mec il arrive à faire un angle impossible. Excusez-moi, je cherchais mon amélioration. Ah. D'accord, je vais pas la chercher finalement. Attendez. Putain, presque. Bon, tant pis. Je sais pas. Il y aura sans doute un autre endroit pour y aller. Peut-être que je m'amuserai à faire le 100% de ce jeu. Putain, le mec me vise de loin. LOL! Le truc qui m'a cherché à des kilomètres. C'est un peu ridicule là. Le mec, il escalade un truc pour. Putain, jamais je vais y arriver. L'achievement de se pas se faire toucher, tuer des ennemis sans se faire tuer quoi. Là, sans se faire toucher. Alors, moi, si j'étais un dev. LOL! C'est pas ridicule. Ah. Mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, remplir sa barre... Ils ont mis un truc de heal ici. C'est marrant. Mais ça sert à quoi d'escalader tout ça? Ah mais c'est vraiment là où il fallait aller en plus. J'invente pas. D'accord. Et il se retire jamais ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce... Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est un timing ou attends, j'essaie de comprendre. Mais qu'est-ce que c'est que c'est? C'est vraiment de la bite, ça y est. Est-ce que ça se retire au bout d'un moment?
étudiant. Mais... Et sûr, c'était l'endroit où il fallait aller. Là, j'éprouve un doute. Point de contrôle. Histoire de ma vie. Mais qu'est-ce qui branle? Tu fais l'amour au toit. Pourquoi il fait l'amour au toit? Ah, ça se voit qu'on est en Russie quand même. Ah, boss. Ogemet. Un soldat de Napal. Ah, j'ai du Napal dans ma gueule? Aïe. Aïe. Il m'envoie du napalm dans la gueule, au secours. Ah, c'est technique. Je vais me soigner. Ah. Mais il m'énerve. Il va me buter? Mais putain! Je me barre, hein. La musique est bien. Mais il m'énerve, il est con ou ça se passe comment? Putain, bah il est pas fort mais. Oh là, ok. Bourrinage. Heureusement que je peux me soigner. Quoi, ouais, faut. Infiltre les murs de la périphérie. Et ben voilà, il suffit juste de le dire, demander. Attendez, on a combien de minutes d'épisode? On est à 23, bon, c'est peu encore. Ah. Allô, le jeu? Ok, Blast Screen. Ah, ok. Temps de chargement. Je vais dire pourquoi. Qu'est-ce qu'il a? Il a pas aimé? Point de contrôle. Allez, c'est parti. On a combien de pourcents du jeu? 11%. Pas fait grand chose autrement dit. I have been in communication with the Grand Master. He wishes to engage your services. He should have come to me first. Prices have gone up. You get the man and you will have your price. Send the contract. Done. Your target is in the military ring. Ah, bon bah le boss arrive. Bah c'est maintenant, envahis la zone militaire. Bah on est tout seul. Toi tu veux faire, toi tu fais une invasion tout seul. Bah très bien. Mais... Ah ouais, ils m'ont fait perdre plein de points de vie. Heureusement qu'ils me sonnent quand je les tue. Parce que sinon c'est un peu ridicule.
Putain, la barre de vie au secours. Ah. Ok, ça va être compliqué. Non, je partirai pas sans mon... Mais comment ça se fait? Je le touche pas. Voilà, c'était pas compliqué. Les nouvelles infos sur les ennemis sont déverrouillées. Mais putain, il m'énerve à s'accrocher à partout. Putain, je me fais défoncer. Putain, lui. On cassait la gueule aux nazis. Ah ouais, non, c'est pas des nazis, c'est des soviétiques. Oh, y a qu'un fossé, hein. Attends. C'est quoi ce truc déjà? C'est un objet. Bon, bah, ça doit être un objet, c'est pas non. Ah, du soin. Mais putain, je fais des conneries, au secours! Ah, le lanceur de napalm. Putain, il m'a entière. J'ai moins galéré sur le deuxième. Scalup le mur. Ah, je veux bien escalader le mur, mais là on n'est pas sur un mur. Attendez, je suis à vous dans 2 secondes. Ah, du soin. Et voilà, on peut reprendre. Robot, c'est mort. Ah putain, mais ça, quand t'es en train d'enchaîner les coups. Ah putain, d'accord. Mais. Enfin, je devrais peut-être pas m'acharner à les tuer alors que... Oh, le glitch. Ok, ça glitch. Ah, c'est là où je devais aller en plus. Au secours! Mais arrête de... Il m'énerve à s'accrocher au mur, quoi. Mais il... c'est hyper chiant parce que quand il s'accroche au mur... Ah. Attendez, il y a un truc. Plus de santé. Mais c'est un intérêt à venir ici? Oui. Pas du tout. Oula. Oula, le jeu il rame. Qu'est-ce que je branle?
C'est ici que je dois retourner. Ah ouais, mais non, mais... Oh non, pas encore le chevalier voué. Ah, c'est chiant parce qu'il faut faire vers le bas, voilà. C'est bon. Maintenant qu'on connaît ses patterns, c'est un petit peu moins compliqué. C'est bon, j'ai compris une fois, ça va me le faire. Hein. Tu me le fais qu'une fois, hein, pas ça, pas deux. Ah, il y a une récompense, il y a un truc là. Ah, c'est des portes, ça, j'ai pas encore de quoi déverrouiller les portes. Mais ici, il y a quoi? Une récompense. Et celle-là, je peux la prendre. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Au secours. J'aime pas passer devant des trucs que je peux pas prendre parce que le jeu veut pas que je le prenne. En fait, je suis allé instinctivement à l'endroit où je fallait aller. Mais qu'est-ce qui branle? Ah oui. Ah, ça veut dire le boss est pas loin. Repère Solo, le chasseur de primes. T'aurais pas joué dans un tube de Black M solo? Ah non, c'était pas ça. Si, c'est ça la chanson, je sais plus. Merde, j'ai marché sur une mine électrique. Ouais, viva Poutine, ouais, on connaît. C'est quoi ces trucs? C'est un mob, c'est un monstre ça. Un monstre, c'est un robot plutôt. Ah, les fameuses scies. Bon, ça se voit que c'est le boss juste à côté. Hein. Parce qu'on te régène. Ok, je vois pas l'intérêt en fait. On te met des trucs pour te heal et derrière. Allez, face à face avec Solo. Je suis Solo. Solo, chasseur de primes. On peut traduire ça par ça. Ah d'accord, je vois l'idée, il vole. Ouais, tu fais quoi? Tu fais quoi? Eh, hey, tu fais quoi? J'en espérais davantage de toi. Ah bon? Arrête de rigoler. Ah d'accord, il faut aller de l'autre bout de la... Ah merde, ça dure longtemps ce truc. D'accord. Je vais pas piger le truc. Par contre, le jeu qui rame, ça c'est une idée moyenne. Hein. Pendant un combat de boss. On m'appelle le pilonneur. Ah.
Ouh. J'ai rarement vu quelque chose d'aussi compliqué, hein. Par contre, c'est un sac à PV. En même temps, essaye encore, tu peux mieux faire. Qu'est-ce qui te fait marrer? Reviens là. C'est encore ton coup de ces morts là. C'est ça tes coups? Putain, j'arrive pas à le toucher. Ferme-la ta grande bouche. Ah, un. C'est un bouclier ça, je suppose. Ouais. Il m'a mis quand même salement cher. Hein. Bon, il est moitié de vie. C'est ce tourbillon de la mort? Merde, son shield. Bon, il est un quart de sa vie. C'est ton... Ah, c'est le coup. Ah non, c'est son coup. Ah, c'est des petites plateformes. Ah ouais, là c'est plus rapide. Putain, il est long du cul ce perso. Bon, je suis mort. En même temps, long du cul comme il est quand il saute et le jeu qui rame, bon, ça le fait moyen. Bon. Entre le jeu qui a ramé et le fait que je voulais juste le frapper, quoi. Ah, on peut passer les cinématiques? Non, pas du tout. Ok. J'ai intérêt à faire gaffe. C'est pas compliqué, hein. C'est juste que je suis trop greedy. Hein. Trop de greed dans ce premier, combat. C'est la première fois que je meurs du jeu. Hein. Ah, il fait déjà ce coup. Ah non, c'est des shots de dialogue au prix. Il va faire ce coup. Il va faire ce. Est-ce qu'il me touche là? D'accord. Jeu de merde. Ah, ils sont shield. Il va faire son type. Ah non, merde, quel con. C'est à la moitié de sa vie qu'il fait ce con. C'est les boules d'énergie ça, hein, les trucs. Ah mais putain! What? D'où il me touche?
Bon, quand même, hein, des petits problèmes. Par-ci, par-là. Hein. Bouclier. Ah bon? Pas de trop grid. Laissons voir les zones des trucs. Ah merde, je suis con. Ah mais putain, ça y est. Oh les sauts dans ce jeu, les sauts sont horribles. Quoi, ça va durer comme ça jusqu'à la fin? Bon, je suis quasi mort. Hein. Ça, j'ai du mal, mais parce qu'en fait, c'est trop compliqué à diriger en fait. Putain, mais alors les mecs, vraiment génie, hein. Il te met un nouveau coup alors qu'il lui reste même pas 10% de sa vie. Si c'est pas du tout mongol, et puis le jeu quand il saute, le perso quand il saute, il est immaniable. Tu peux pas diriger tes sauts et. Ah ouais, faudrait que je fasse ça en fait. C'est vrai que j'y pense pas. On galère hein, sur ce boss, hein. Il est pas facile. Puis à chaque fois, je suis pas loin de le tuer. Il me manque genre peut-être 2 ou 3 coups pour le tuer, quoi, là, sur le deuxième essai. Bon, là, à chaque fois, si je meurs, c'est parce que je sais pas ce qu'il fait, quoi. Là, typiquement, il fait des trucs. En fait, j'ai pas eu les mêmes. Regardez, là j'ai déjà retiré, je pense, un bon dixième de sa vie. Mais ça, c'est, je comprends pas pourquoi les mecs se disent, bon bah, faut sauter au moment du truc pour le toucher. Je trouve ça un peu débile, hein, mais bon, bref. Le bouclier. On va essayer d'éviter de se prendre des coups gratuits. Bon. Putain. Ah oui, c'est. Pourquoi je vais. Non mais. Mais il c'est chiant, je voulais pas bouger et lui il bouge. Le hitbox sont buggés. Oh. Eh non mais les sauts. Hein. Alors le problème c'est que l'énergie je m'en sers pas parce que je sais pas comment on fait pour l'activer. Et je sais pas à quoi ça va me servir. C'est les coups où il faut faire attention ou pas du tout? Ou on est reparti pour la phase de... Ok, vaut mieux pas attaquer pendant cette phase. Oh, mais regardez les sauts! En vrai c'est plutôt worse de sauter...
D'où là, je suis pas touché alors que tout à l'heure j'étais touché. On me touche, j'étais touché. Ah non, mais c'est. En fait, le perso court constamment en fait. Il court tout le temps en fait. Il marche pas. À aucun moment il marche en fait. Bon, là, je sais pas du tout comment on peut faire pour pas se faire toucher, à part sauter en dehors de la plateforme. C'est retour les. Ah oui, c'est de retour les. Ça, c'est assez simple, hein. Voilà. J'ai bourré à la fin. Hein. Je t'ai eu. Ah bah je t'ai eu mon pote. Ah j'ai un skill. Bon bah on va finir cette vidéo avec un skill. Ah je peux enfin renvoyer les projectiles. Ah bah il était temps. Hein. Rends-toi à la tour Memo. D'accord, bon. On a tué Zen Solo. On est d'accord que ce truc, c'était censé. Le truc que je faisais depuis le début, c'était censé renvoyer les projos. Bon. On va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt pour les 4e épisodes de Strider. Donc d'ici là, portez-vous bien. C'était Arcanum. Bye!